c'est amusant les voitures ralenties. Et on va faire des accidents après avec tout ça. Ouais, il va... T'as vu comment tu glisses? Mets une leçon, professeur. Mets-toi devant, toi, je ne tire à rien.
Oh, je m'en fous.
Allez, tiens, chine. Et toi devant, c'est bon. Et là, elle explose pas, je suis désolée. Je suis derrière. Alors quand je filme la maman, Mathieu, il faut monter. Voilà. Surtout quand la maman est assise, quand même. Oh. Lionel, tu te lèves pas. Il y a des gens méchants qui disent qu'on voit pas la différence. Non, bah, bon. Oh, t'as peur que je me lève. Ah non, non, tu te lèves pas. Hein. Yeah. Ah, d'accord, mais il est tellement petit, on ne voit plus. Au milieu de moi. Carlos et voilà. Michel. Alors vous approchez parce que ils voulaient, la commune voulait vous offrir des t-shirts à tout le monde. La seule chose, il n'y en a que 5. Non mais cette année c'est vraiment des trucs à problème, mais c'est pas grave. Alors évidemment, c'est disons il y en a deux, c'est deux étrangers, je pense que pour chez eux ça sera la bienvenue, comme ça ils seront contents de venir. Et j'espère l'année prochaine qu'ils reviendront. Bon, le russe, c'est difficile de le faire. D'accord. Mais sinon, l'année prochaine, Amélie, c'est pareil, ils ont eu rupture du stock. Sinon, vous auriez eu des t-shirts aussi. Mais vous auriez eu jusqu'à, c'est pareil. D'accord. Alors, évidemment, c'est pas moi qui vais remettre les 5 t-shirts, mais je passe le représentant, bien, conseiller le visionnaire, là. Le gendre, mais il fait partie aussi de la mairie. Et ensuite, il va remettre les 5 t-shirts aux 5 personnes qui ont été appelées. Au nom du maire, ma qualité de maire adjoint, mais je suis très très fier au nom du conseil municipal que vous venez accepter une nouvelle fois cette proposition du président et de notre ami Joseph et de toute son équipe de Calébatoire du Val-Espire de venir chez vous dans cette petite cité val-espirienne qui s'appelle Reynès et qui est coincée entre les deux gros que vous connaissez, les deux grosses villes de Pierre-Marie, que sont Céré, la capitale de la Cerise et Reynès, du Togo, et Amélie-les-Bains, cette charmante station thermale, dans laquelle vous venez chaque année, je crois, prendre un grand nombre d'oxygène. Bon, ceci étant dit, le patronome de la municipalité de Bourgogne, du comité des fêtes de Reynès, qui a gagné ses t-shirts, sur lesquels on fait inscrire. Alors les deux. Il est un petit peu rapporté, mais
il se plaît bien chez nous et il nous rend bien. Bravo. Je crois. Bravo. Merci. Alors, évidemment, je vais vous présenter, puisqu'il faut être honnête, bon, Simon avait eu des problèmes, c'était mon ancien président de club, et certains le connaissent, c'était l'ancien président, il a pris du recul, évidemment, il m'a fallu engager une procédure pour avoir un autre président, peut-être pas à sa hauteur, parce qu'il avait fait énormément de choses, mais vu qu'il avait fait une coupure directe, et que je le revois cette année, ce qui m'étonne même grandement, mais c'est bien, M. Parreno, doucement, évidemment, avait repris les rênes et avait des projets qu'il m'a établis pour les années qui suivent, qui ne sont pas vilains pour vous. D'ailleurs, je pense que vous allez vous en rendre compte l'année prochaine, et vous pouvez quand même l'applaudir, parce que lui aussi, il est pour quelque chose. Et puis nous avons un risque qui fait partie du nouveau conseil municipal qui a
Oh merde. Allez! Stop!
Ça suffit. Allez, essayez déjà, ça va faire ou pas? Non, c'est important. C'est un entraînement qui est toujours à Paris. Transfert ou pas? Thank you.
chez vous parce que moi je commence dans une demi-heure. Alors. Tu bosses dans une demi-heure? Alors, Poupouille, hein? Ah, bah le voilà, lui! Vous êtes venu à pied du gymnase? Vous êtes venu à pied? On se disait que tous les deux, quand on vous touche, on prend bien mon vélo. À la pelote, Ah, bah, ça change pas. Thank you.
Jambes. C'est pas du tout uniquement par chez nous. C'est pas en japonais, mais en France, c'est... Celui-là, il est français. Il est français. Oui.
dit au nom de la municipalité combien nous sommes heureux de vous recevoir ici. Et nous espérons que, bien entendu, ces séjours se répéteront, que vous n'aurez pas trop mauvais souvenirs de ceux qui vous reçoivent, et je sais que ceux qui vous reçoivent mettent vraiment tout leur cœur. Monsieur le Président, vous me le disiez toujours que, tout à l'heure, que ce soir encore, il allait se coucher, je ne sais pas quelle heure. Voilà, hein, c'est ça. Donc, ils y mettent tout leur cœur pour vous recevoir. Et bien, c'est que j'espère vraiment de tout cœur que vous appréciez ce séjour. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que véritablement, la commune d'Amélie-les-Bains vous remercie personnellement de votre venue ici et surtout vous remercie de vouloir nous lire par les gestes, le gestuel de votre des canons et bâtons, le gestuel des canons qu'il faut quand même savoir se défendre. Et ça, quand on sort d'une période électorale, c'est pas mauvais à savoir. Alors là, ça a été un autre problème. La transition.